Sum anjeun ang kuchok. The President, please be seated. Ong chum re, paka. The chamber is now back in session. L'audience est reprise. I would like now to give the floor to counsel François Roux. Je donne la parole à Maître Roux. The defense counsel. L'avocat de la défense. So that you can post questions to the expert. Maître Roux, veuillez poursuivre vos questions au témoin expert. Greg Edgerson, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Your Honor. Je vais donc essayer de poser l'ensemble de mes questions à l'expert avant la fin de cet après-midi, sachant que j'informe respectueusement la Chambre qu'à votre reprise, le 8 juin, je ne pourrai pas être présent, et ce, jusqu'au 11 juin, je serai de retour. Comme je l'ai indiqué à la Chambre, je dois aussi, dans le même temps, m'occuper des fonctions auxquelles le secrétaire général des Nations Unies m'a demandé de me consacrer au tribunal du Liban. Ce sera donc Marie-Paul Canizares qui me remplacera à votre reprise pendant 3 jours. Bon après-midi, monsieur l'expert. Merci de votre patience. Vous êtes prêt à répondre à mes questions? Yes, of course, counsel. Oui, naturellement, maître. Je crois savoir, monsieur l'expert, que dans le passé, vous avez travaillé ou apporté votre concours, je ne sais exactement, à l'organisation non gouvernementale DICICAM. Est-ce exact? Yes, counsel, that is correct. Oui, c'est exact. Vous étiez employé de DICICAM, vous étiez consultant. Quelle était exactement votre fonction? I was part of the team. Je faisais partie de l'équipe qui a mis en place DICICAM. I proceeded to serve as director of the documentation center. Et j'en ai été directeur pendant 2 ans ensuite. Et donc, vous avez quitté vos fonctions à DICICAM en 1997, c'est bien cela? It's in 1997 that you left withdrew or you left your job at DICICAM, is that correct? At the end of 1996, à la fin de I ceased to perform the role of director and entered into an advisory capacity. Et je suis devenu conseiller. Pendant combien de temps êtes-vous resté conseiller de DICICAM, monsieur l'expert? To DICICAM for how long? Counsel, I cannot give you exact times on that, as my memory fails précise, car but I did carry out, if I recall correctly, two contracts in which my role could be described as a consultant, and those periods stretched across the course of approximately 3 years. Et ces deux contrats se sont étalés sur une période d'à peu près 3 ans. Et
Et depuis combien de temps êtes-vous membre du bureau du procureur aux chambres extraordinaires? Part of the team of on the co-prosecutor's office at ECCC. Since the beginning of July 2006. Depuis le début de juillet 2006. Comme l'a rappelé Madame la juge Sylvia Cartwright, Judge Cartwright, vous avez écrit de très nombreux ouvrages de référence et qui font de vous un expert reconnu based upon your research, par la communauté des chercheurs. And, est-ce bien exact? The reputation of a very knowledgeable expert on these issues. Is this correct? Counsel, it is correct that I have written several books. Il est vrai que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur la question des Khmer Rouges. I will leave it for others to assess my reputation. Je laisse à d'autres le soin de dire quelle est ma réputation. Je vous rassure, elle est bonne. May I reassure you, your reputation is excellent. Alors ma question now to au my début de question, notre entretien at the beginning of our, est la suivante. Let's say conversation et c'est une question importante, this is vous l'imaginez. My first question, and it's a very important one, as you may well imagine. En l'état, d'une part, as de vos connaissances de chercheur, in terms of your knowledge as a researcher, mais d'autre part, the state of your de vos fonctions is, actuelles but also bearing in mind your present day auprès du bureau du procureur, at the co-prosecutor's office. Pensez-vous in view of these être factors, en mesure do you believe that you are de répondre à mes questions to provide answers to my de façon totalement libre in a fashion et that indépendante, is fully independent, y compris and si free. Les réponses que vous deviez apporter étaient contraires à la stratégie du bureau du procureur. Counsel, I do. Oui, je le crois. Je le crois aussi. Merci, monsieur l'expert. I believe you. Thank you, Dr. Etchison. Dites-moi, do tell me, si nous reparlions un petit peu de ces neuf lettres adressées par Soumet, sent by Soumet à Duc. To Duc. Dans votre rapport, and, vous n'avez cité those, que trois lettres. In your report, you referred only to three. Pour reprendre letters. L'excellente observation now, like de ma consoeur, Maître Studzinski, quand vous faites votre rapport, vous avez connaissance report, de l'ensemble des lettres ou seulement de trois lettres letters, de l'ensemble des lettres dont nous avons débattu hier matin, c'est-à-dire I'm vous avez connaissance des neuf lettres ou seulement des trois lettres que vous citez dans votre rapport. Versus only the three letters that you refer to in your report. Yes, counsel. I understand. Oui, je comprends bien la question. At the time I wrote my report, au moment de rédiger I mon rapport, that I was familiar je with eight crois que j'avais connaissance de huit lettres sur les neuf. Came to my attention sometime after I j'ai completed eu connaissance de la neuvième lettre quelque temps après avoir terminé mon rapport. Et donc, ayant eu connaissance de huit lettres, vous en avez sélectionné trois, c'est bien exact? Yes, counsel. That is correct. Oui, c'est exact. Et en votre qualité d'expert, vous pensiez que les trois que vous aviez sélectionnés suffisaient à la démonstration que vous souhaitiez faire, je suppose. That is correct, counsel. C'est exact. Merci.
Maître, thank you. Qu'est devenu Monsieur Soumet? What happened to Mr. Soumet? Savez-vous? Do you know? I do know. Oui, je le sais. He is alive and well. Il est vivant. And as I understand it, living in Battambang province. Et pourtant que je sache, il habite dans la province de Battambang. Vous n'avez Mr. jamais Wu, eu l'occasion de l'interroger sur ces lettres. You never had the opportunity to question him on these letters, did you? No, I did not. Non, jamais. Puisque Mr. Wu, si nous parlons d'autres personnes, people, est-ce que vous pouvez me confirmer concernant concernant le supérieur hiérarchique concerning Mr. Sun Sen, Duke's hierarchical superior, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il était toujours vivant après la fin du régime de Kampuchea démocratique? Democratic Kampuchea. Yes, counsel. He was alive. Oui. After January 7, 1979. Il était encore vivant après le 7 janvier 79. Et est-ce que vous Mr. pouvez Wu, confirmer à la chambre s'il a continué à être impliqué dans la politique pendant involved, les années suivantes in, politics during the following years? Yes, counsel, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il faisait partie de la délégation qui a signé les accords de Paris en 1991? I believe that is correct, counsel. Je crois que c'est exact, maître. Monsieur l'expert, Mr. vous avez évoqué ici ou là de vos interventions le mot de peur et peut-être avez-vous également utilisé le mot de terreur. Comment définiriez-vous un régime de terreur? That's a very interesting question, counsel. C'est une question très intéressante, maître. I would define a terror regime. Je définirais un régime de terreur as a government comme or similar organization. Un gouvernement ou une organisation similaire that employs methods of arbitrary violence. Des méthodes violentes et arbitraires to coerce the compliance pour obtenir of its own members, l'obéissance de ses membres and populations that it wishes to control. Et des populations que cette organisation souhaite contrôler. Je ne pense pas me tromper Roo, en reconnaissant là la définition du Kampuchea démocratique, by saying that I can recognize here the definition of democratic Kampuchea, ou plutôt en disant que cette définition cadre bien avec le régime du Kampuchea démocratique. Well to the regime of democratic Kampuchea. Is that a question, counsel? C'est une question que vous posez, maître? Oui. Yes. Oui, c'était une question. Yes, it was a question. Indeed. It is my personal view, je pense personnellement, that the leadership of Democratic Kampuchea, les dirigeants du Kampuchea démocratique, explicitly employed terror, explicitement employé la terreur comme moyen de contrôle. Alors, Mr. Wu, on va aborder well, ces questions précisément. These, j'aurais voulu and I would have avant liked, however, before,
vous demander si, dans vos recherches, research, vous aviez analysé le langage utilisé précisément par les dirigeants du Kampuchea démocratique. Si vous aviez analysé ce que ce langage pouvait induire dans ce système de terreur. D'abord, une question générale, peut-être je peux préciser après, mais est-ce que vous avez, sur la question du langage utilisé dans ce régime, est-ce que vous avez vous-même une observation générale? Council, I have not made an explicit linguistic study. Je n'ai pas fait de recherche à proprement parler linguistique sur ce sujet. However, having been a student of Democratic Cambodia for some 30 years, I have given some thought to their use of language. Et donc j'ai réfléchi à l'usage fait de la langue. Mr. Hu? Oui, je n'ai pas plus de connaissances que vous dans la langue khmer, et je me base, hélas, seulement sur des traductions. Mais pour être plus précis, on voit souvent apparaître le terme en disant les subordonnés doivent réfléchir. Ils doivent porter attention. Je vais être encore plus précis. Au paragraphe 121 de votre excellent rapport d'expertise, vous citez Sun Sen le 2 août 1976, paragraphe 121. Et vous dites, Sun Sen a averti ses commandants qu'ils devaient réfléchir de manière à éliminer les ennemis tant externes qu'internes. Et il leur a ordonné de porter attention à éliminer, etc. On reviendra plus tard. Mais je suis pour ma part frappé. Elle me dit pas, vous devez éliminer les ennemis. Elle me dit pas, vous devez éliminer complètement les mauvais éléments du parti. Il dit, vous devez réfléchir de manière à, vous devez prêter attention, etc. Et on retrouve ce genre de terminologie dans d'autres documents. Je voulais juste savoir si cela avait frappé votre attention comme ça me frappe. Council, I don't believe I agree with your analysis. Je ne crois pas être d'accord avec votre analyse. If you read the entire sentence, si vous lisez la phrase entière, continuing on from where you stopped, au-delà de là où vous êtes arrêté, il est dit, pay attention to purging no good elements completely from the party, du parti, which I believe is just what you were noting. Je crois it did not la citation do. Que vous avez faite. Oui. Yes. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il me semble, c'est qu'on ne donne pas un ordre direct, mais on demande chaque fois de réfléchir à la manière de quoi, à la manière d'exécuter soi-même la politique du parti. Est-ce que je me trompe? My understanding, Council, autant que je comprenne, maître, c'est que, with his division commanders, session où se trouvaient les commandants de division, Sun Sen was doing what was known in the party as propagating the line. Procéder à ce qu'on appelait au parti la diffusion de la ligne, making sure
donc that his subordinates understood the policy of the party and their role et in implementing rôle that dans policy. La mise en œuvre de cette politique. C'est ça. C'est également ce que je comprends, le rôle personnel dans la mise en œuvre de cette politique. C'est bien ça. Is that what you mean? Le rôle qu'il devait prendre personnellement dans la mise en œuvre de cette politique. Yes, counsel. Oui, maître. Toujours dans cette question du langage utilisé et une question qui se rapporte de notre question que vous avez abordée, celle du secret. Vous étiez présent hier matin lors des questions posées par M. le juge Lavergne à l'accusé, qui lui demandait pourquoi les noms des supérieurs n'étaient pas mentionnés. Et l'accusé répond, parce que c'était comme ça. D'après vos travaux de recherche, est-ce que, effectivement, dans ce régime, il y avait une politique du secret qui faisait que même quand les documents eux-mêmes étaient confidentiels, on évitait d'utiliser le nom direct de Pol Pot, ou le nom direct de Nunchia, ou le nom direct de Sun Sen, par exemple. Yes, counsel. The devotion to secrecy oui. In the Communist Party of Cambodia au sein du Parti was communiste du extreme. Était extrême. And the explanation that the accused person made donnée par on that point, sur ce point was plausible to me. Est plausible à mes yeux. Alors, well, then, sans vouloir faire de répétition par rapport à beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je voudrais revisiter rapidement avec vous votre rapport en extrayant des thèmes, si vous voulez bien m'accompagner dans ce travail. Your report, by extracting from this report certain un des thèmes dont vous parlez, c'est précisément la manière dont le PCK a organisé et hiérarchisé son pouvoir. Et vous citez notamment l'article 11 du statut du PCK. L'article 23, excusez-moi, l'article 23 du statut du PCK, à votre paragraphe 11. In your paragraph 11, in your report. Je voudrais relire l'extrait que vous citez. D'après les statuts, les fonctions du comité central. Et vous nous avez expliqué qu'en réalité, c'était surtout le comité permanent qui, après, s'emparait de ça. Mais les fonctions du comité central comprenaient la mise en œuvre des instructions du parti dans l'ensemble du pays, la diffusion des instructions à toutes les organisations de zones, de secteurs et municipales, et aux organes du parti responsables de divers ministères nationaux, ainsi que, et vous citez toujours, l'administration et le déploiement des cadres et membres du parti dans l'ensemble du parti, tout en gardant
et c'est très important, tout en gardant une emprise ferme et constante sur leur biographie, ainsi que leur position politique, idéologique et organisationnelle, en les éduquant et les endoctrinant sans cesse sur les plans de la politique, de l'idéologie et de l'organisation. Est-ce que ça n'est pas déjà un programme de terreur, monsieur l'expert? Mr. Etchison? To the extent, Council, dans la mesure, maître, that the focus on grasping personal biographies sur is tied to a process of purging cadre based on those biographies, de purge des cadres, I would say en yes. Des biographies, je répondrai par l'affirmative. Et Mr. Roux, vous avez vous-même précisé à l'audience du 21 mai qu'à la suite de la pratique mise en place, le centre du parti était le seul organe qui savait ce qui se passait dans tout le pays. Nous sommes bien d'accord. Monsieur Chesson. Yes, Council, that is my oui, view. Maître. Ceci est mon avis. Et Mr. tout était mis en place, cloisonné, dans le secret, de manière verticale, pour que, effectivement, le centre du parti soit le seul organe qui sache ce qui se passait dans tout le pays. Monsieur Chesson. In general, en général, yes. Oui. Although bien there que may have been exceptions to that general rule. Il a pu y avoir des exceptions à ce principe ou au principe général. Allez-y, monsieur l'expert. Okay, si vous please proceed. Pouvez nous donner Mr. des exceptions. Mr. Etchison, if you could give us some of these exceptions, let us know of some of these exceptions. The one exception that came immediately to mind l'exception is the accused qui m'est person. Venue immédiatement à l'esprit formally, s'agit formally, de l'accusé. Rather, he was not a member of the party center. Auparavant, il n'était pas membre However, du centre du parti. He had the opportunity et alors qu'il to n'était pas interrogate membre du centre du persons parti, from il all units avait of organization la possibilité d'interroger les membres de at all echelons, les organisations from all across que the country. Soit les niveaux des échelons où se trouvaient ces personnes work, à travers l'ensemble du pays et dans le cadre de ce travail, il a obtenu une perspective Cambodia. Unique de ce qui se passait yeah. sur le territoire du Cambodge okay, démocratique. Il a obtenu et rendu compte, nous sommes d'accord, he obtained and he à had qui to report. Au centre. To whom? Well, to the center. Is that so? Est-ce bien exact? Is that so? He reported to the center. Is that so? Monsieur Chesson. He obtained exception and reported to the center. Is that so? Yes, counsel. Oui, that's correct. Maître. C'est exact. Je reste Mr. Who? Pour l'instant sur well, l'organisation moment, like générale, to focusing on the general organisation, au paragraphe 99 de votre rapport, of your report, vous citez également le comité militaire du comité central. Et vous indiquez, bien qu'il ne soit pas mentionné dans les statuts du PCK, c'était un organe essentiel
du Kampuchea démocratique dont l'existence est confirmée dans les documents et déclarations. C'est bien ça. Il y avait donc bien un comité militaire du comité central que vous décrivez dans votre rapport. Monsieur Chesson. Yes, counsel. Oui, maître. That is correct. C'est exact. Et vous voulez bien rappeler à la Chambre le rôle de Sun Sen dans ce comité militaire du comité central? Military committee of the Central Committee? Monsieur Chesson. Maître. Sun Sen. Sun Sen. Is often described as a secretary of the committee, ayant été le secrétaire not secretary du comité, in the sense of the top leader, but my sense is suprême, a secretary in the sense of a reporting member, dans le sens de a junior membre rendant compte, membre junior. Et qui Mr. en était Hu, le président? Who was therefore the president? Monsieur Hutchison. Pol Pot was the chair of the Central Military Pol Committee, Pot était according le président to my understanding. Du comité militaire, du comité central, selon ce que je comprends. Vous avez rappelé ce matin que dans tout pays, country, les politiques veulent avoir autorité sur les militaires. Et là, on voit que Pol Pot, qui est l'autorité suprême, a aussi le rôle de président de ce comité militaire, j'allais dire non déclaré. Rather, this almost this non-declared military committee. That is correct. Ceci est exact. Donc, Pol Pot, président de ce comité militaire, Sun Sen, secrétaire, was therefore deputy. Et pourtant, vous nous avez indiqué lors d'une des audiences précédentes, vous nous avez dit cette phrase, Sun Sen, alors je n'ai pas le terme exact, vous me corrigerez si je me trompe, Sun Sen ne prenait pas lui-même d'initiative, il rendait compte à Pol Pot. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Counsel, maître, if I recall correctly, si je me rappelle bien ce que j'ai I was discussing dit, two j'étais en of train the fundamental de principles of the party as described in the statutes of the Communist Party of Kampuchea, specifically collectivism et en particulier and le collectivisme democratic centralism. Et le centralisme démocratique. Ces deux principes, when implemented as they were intended, mis en œuvre tel que c'était l'intention, resulted in collective decision making. Une prise de décision collective. This is what I was referring to. Et c'est ce à quoi je faisais référence, si je ne fais pas erreur. Mais est-ce que vous est-ce que vous me diriez que Sun Sen pouvait prendre des décisions sans avoir l'aval de Pol Pot? Having the approval of Pol Pot, is that what you are hinting at? Monsieur Chesson. No, counsel. Actually, non, I'm hinting at rather en fait, the opposite. Je faisais allusion à l'opposé. Although, plutôt. It's also true that responsible decision-making bodies, such as the Standing Committee or the Center Military Committee, will make decisions
on the broad outlines des décisions selon des orientations politiques générales. Et dans bien des cas, les dispositions pratiques revenaient aux organes responsables de la mise en œuvre pour ce qui était de trancher. D'accord, donc vous êtes en train de m'expliquer que ces organisations, comme le comité militaire, mettaient en œuvre la politique générale adoptée par le parti. Nous sommes bien d'accord. We agree on that, don't we? Que dans leur action, ils mettaient en œuvre cette politique. They were implementing that policy. I apologize, counsel. Monsieur Chesson, I seem to have given you the wrong impression. Je vous présente mes excuses, I would, maître. On the contrary, il semble que say je vous ai la mauvaise impression. The Central Military Committee created policy and defined policy. Créé des politiques, other organs were responsible et for implementation. Étaient chargés de la mise en œuvre. Merci, c'est très clair. Thank you, it's very clear. Je continue sur cette organisation extrêmement centralisée dont vous avez parlé encore maintenant. Et vous visez une des conséquences de cette centralisation, on peut dire absolue. C'est d'ailleurs un terme que vous avez employé souvent, le mot absolu dans ce régime. Et donc, une des conséquences était, comme vous le dites au paragraphe 186, le bureau 870 était submergé de rapports adressés à Kyo Sampan qui abordaient des sujets très variés. Et je ne vous en fais pas la lecture, mais vous, effectivement, vous faites toute une liste. Je veux retenir, je vous en prie. Excusez-moi. Excuse me, counsel. Monsieur what paragraph did you Quel paragraphe avez-vous cité? 146 de votre rapport. 146. Si je ne fais pas erreur. If I'm not mistaken. Mais peut-être, oui, ça me paraît. It seems, however, to me, yes. Donc c'était plus tôt dans le rapport. I thought it was earlier on in the report, but peut-être no. Une erreur. It's a mistake here. Non, c'est peut-être bien 146, mais vous citez également au paragraphe 19, vous en parlez également au paragraphe 19, du régime de rapport hebdomadaire au bureau 870, mais apparemment vous recitez ça, 146, non, c'est pas 146, ça peut pas être ça. Pardonnez-moi, ce n'est pas 146. I apologize, it's not 146, I'm sorry about this. Une erreur de chez nous. It's our mistake. Mais je pense que la citation est exacte, en fait, elle est sous les, on peut la retrouver, puisque c'est sous les notes de bas de page, elle évoque une note de bas de page 340. Donc, this is mentioned in footnote 340. De se reporter à la note de bas de page 340 pour savoir où vous en êtes dans votre rapport, et donc apparemment vous êtes bien à la fin de votre rapport. Ah mais si, 146, oui, oui, yes, indeed, tout 146, à fait. 146, monsieur. Dans le chapitre communication, vers la fin du paragraphe, par exemple, le bureau 870 était submergé de rapports adressés à Kyo Sampan qui abordaient des sujets très variés. Paragraphe 146. En réalité, ma question, ou en tout cas ma demande de commentaire était là-dessus. On peut imaginer, d'après tout ce que vous décrivez, le nombre de rapports qui arrivaient effectivement tous les jours au bureau 870. Est-ce que je me trompe, Monsieur Etchison? Non,
I do not believe. Right. Non, il semble qu'il y ait un problème technique. Sounds clear. I believe you are correct, Counselor. Je pense que vous avez raison. There was a great deal of reporting. Il y avait on a daily un grand basis nombre de came into the rapports qui arrivaient quotidiennement au bureau du centre. Une question juste Mr. Roux, entre parenthèses. On a retrouvé les archives du bureau 870, monsieur l'expert. Avez-vous pu en voir? Presuming that 870 maintained an archive, 870 council, which one would imagine that it would. This archive seems to have been destroyed in its entirety at some point, presumably dans leur totalité, just prior to the evacuation suppose, of Phnom Penh. Juste avant l'évacuation de Phnom Penh. Some small number of examples of communications de communication to Office 870 have been discovered in other locations. Dans d'autres endroits. Vous serez d'accord avec moi sur l'interrogation qu'on peut avoir alors que vous-même ou un autre expert, je ne me souviens plus, disait ici dans cette enceinte que jusqu'au dernier moment, Pol Pot n'a pas cru à la défaite. La preuve étant qu'il est parti au tout dernier moment, je ne suis pas certain pour ma part qu'on ait pris le temps de détruire les archives du bureau 870. Mais je referme ma parenthèse. Je voudrais que nous continuions sur l'organisation et sur précisément la ligne politique. Vous avez vous-même cité cette décision du 30 mars 1976. Et mon confrère, Maître Karsavout, ce matin, a rappelé ce que vous dites au paragraphe 24, c'est-à-dire que c'est cette décision du 30 mars 1976 qui établit, alors qu'est-ce qu'on va dire, l'injonction, l'ordre, d'abord, d'exécuter au sein et en dehors des rangs, et ensuite, qui donne à différents organes le pouvoir de décider de l'exécution. Nous sommes d'accord, c'est bien le 30 mars 1976 que le comité permanent décide sur ces questions et décide donc d'une politique générale d'exécution au sein et en dehors des rangs. Est-ce que c'est bien exact? Within and without the ranks. Is this correct? Monsieur Chesson. Counsel. Maître. I might characterize the 30 March 1976 decision in a slightly different way. D'une manière légèrement différente. It seems to me, il me semble, that extrajudicial executions inside and outside the ranks had been going on for quite some time across all of the territories controlled by the Communist Party of Cambodia. Sous le contrôle du Parti communiste du Cambodia. So, although
Et donc, this 30 March decision cette décision formally du 30 mars 1976 such behavior autorise officiellement une and telle defined it in specific terms, ligne et one définir, might also cette ligne interpret this order de termes spécifiques as simply a ratification simplement of définir cette décision practice du 30 mars 1976 comme une ratification d'une pratique établie. Maître Roux. Quand vous dites d'une pratique, est-ce que je peux ajouter practice, d'une politique et d'une pratique établie? A policy and a practice, an established a policy and an established practice. Could we phrase it in this way? Monsieur Hutchison. Yes, counsel. Oui. I think that would be a Maître, reasonable way to describe it. Je pense que ce serait ici une manière adéquate de décrire cet élément. Et vous nous avez peu parlé de la décision d'octobre 1975. Vous avez des commentaires à faire sur cette décision? La réunion du comité permanent du 9 octobre 1975. Alors, peut-être, comme on ne l'a pas souvent évoqué, je dois donner le numéro ERN en français. In French, 002 9 2 8 6 8 jusqu'à 002 9 2 8 8 6. Et l'original en Khmer, the Khmer original, 0 0 0 0 0 1 9 1 0 8 jusqu'à 0 0 0 1 9 1 2 6. Alors, d'abord, voulez-vous confirmer pouvez-vous confirmer à la Chambre qui, dans cette réunion du comité permanent du 9 octobre 1975, est désigné comme responsable de l'état-major et de la sécurité? Monsieur Hutchison. Yes, counsel. Oui, maître. I believe it is at the bottom of page 6 qu'il s'agit de des informations of the Khmer original page 6 and the top of page 7 et en haut de la page 7 of the Khmer original. Dans l'original en pages langue Khmer, pages 4 et 5 of the version, dans la version anglaise, non. That this document turns to military affairs and the topic of setting up que ce document porte sur les the general staff militaire et que l'on parle de l'état-major. The first item, le premier point, is described as assignment of tasks étant la, l'affectation and it says des tâches policy et on y lit comrade politique, Q, camarade Q, which is a nom de guerre qui for Son Sen. Le nom de guerre de Son Sen. Si je peux me permettre, monsieur l'expert, à la première page, certainement en français page, et en anglais, at any rate in English and French, au point 6, under paragraph 6, on parle effectivement déjà du camarade Q, to comrade Q as being in charge of general staff and security.
Voulez-vous indiquer à la Chambre comment il est désigné? How he was nominated or appointed? Counsel, I don't believe that I can tell you that in any detail, other than the inference that this was a collective decision of the Standing Committee and or of the Center Military Committee, and that the Center Military Committee decision was simply being reported to the Standing Committee. I think we have no information at present on which to determine how that process unfolded. Manière s'est déroulé ce processus. Je crains qu'il y ait eu un problème d'interprétation. Je vous demandais seulement de nous dire si au point 6 de la première page, il était bien indiqué camarade Q, responsable de l'état-major et de la sécurité. C'était ça ma question. Est-ce que vous avez ça sur votre exemplaire également? On your screen and in your document, do you have the same thing? Yes, yes, counsel. Monsieur Jason, oui, maître, effectivement. Donc, nous savons que le 9 octobre 1975, le président. The president. Could the expert say it again because the interpreters could not hear your response? Les interprètes n'ont pas pu. And this is also for the record. Votre réponse également aux fins du compte rendu. Of course, Mr. President. Bien entendu, Monsieur le Président. I was l'expert. Confirming. J'étais en train to counsel for the defense. Au Conseil de la Défense. That under item 1 of the agenda of the meeting of the Standing Committee, minutes dated 9 October 1975, point 6 states that Comrade Q is responsible for general staff de l'état-major and security. Et de la sécurité. Donc nous avons au moins par ce document la preuve qu'au mois d'octobre 1975, M. Sun Sen est déjà responsable de l'état-major et de la sécurité. Nous sommes d'accord? Monsieur Hutchison. Yes, counsel. Oui, maître. Correct. C'est exact. Continuons toujours dans ce régime qui s'appuie également, avez-vous dit, dans votre rapport et à l'audience sur l'endoctrinement. Nous sommes d'accord également pour dire que ce régime s'appuie sur l'endoctrinement, comme c'était précisé dans les statuts et l'article 23 notamment. Yes, counsel. Very much so. Oui, maître. Et effectivement, énormément. Alors, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur les sessions de formation régulièrement organisées, que ce soit dans les unités, que ce soit à la base, que ce soit au niveau central, et vous disiez, chacun pouvait être informé de la ligne du parti et de la ligne en vigueur.
On est bien sur ce sujet, un endoctrinement systématique diffusant la ligne du parti. C'est bien de ça dont nous parlons. No, counsel. Non, maître. You say any person could be informed of the party line. Vous dites que toute personne pouvait être informée de la ligne du parti. Any member of the party. Tout membre du parti. Oui, tout à fait. Oui. C'est bien de ça dont je parlais. Tout membre du parti, toutes les structures du parti. Member of the party, any structure of the party. D'accord? Yes. Do you agree on that? Oui. Yes. Oui. On a beaucoup parlé des séances de formation. Oui, ça va. There has been much conversation. Bon? Can we continue? Le président interrompt, demande s'il y a un problème. Mr. President, the court official, can you check the microphone of the expert since the interpreters could not hear it? This is the second time it happened this afternoon. Du témoin expert fonctionne bien, car il semble que déjà deux fois on ne l'ait pas entendu. Mr. President, Mr. Etchison, can you repeat your Monsieur response because the interpreters could not hear your response? Je n'ai pas entendu. Yes, counsel. This was the question regarding oui, la question the party line sur la ligne du parti being disseminated et to all members of the party. Diffusion I à agree. Tous les membres du parti, et je suis d'accord avec cela. Et donc, vous avez parlé de toutes ces séances de formation, indiquant par exemple que l'accusé avait lui-même assisté à des séances de formation qui étaient données aux unités militaires. Vous avez également souligné que les cadres de S21 participaient à des séances de formation qui leur étaient données soit par l'accusé, soit même, avez-vous dit ce matin, par Sonsen, qui était venu au moins une fois à S21 pour donner ces formations. Alors, ma question, quand on était membre du parti, et notamment quand on était cadre, avait-on le choix d'assister ou de ne pas assister à ces séances de formation ? Well, counsel, one always has a choice. On a toujours le choix, maître. But it might not be wise. Mais il se peut qu'il ne soit pas très sage de faire tel ou tel choix. Je veux bien accepter ce type de réponse, alors aller plus loin. Qu'est-ce qui se passerait pour un cadre du parti qui ferait le choix de ne pas aller à une séance de formation, par exemple? I would expect that this would result in some kind of disciplinary action. Cela donnerait lieu à des mesures disciplinaires. Exactly what? Quelles mesures? Would depend on the situation. Cela dépendrait de la situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des personnes qui ont été écrasées, pour reprendre ce mauvais et tragique terme, qui ont été écrasées pour des petites choses? Et qu'on peut considérer que des personnes auraient pu se retrouver écrasées pour n'avoir pas suivi des séances de formation? For not having gone to a training session.
I know of no such specific occurrence de cas précis. Council, but it is not at all difficult mais to imagine pas du tout difficile that it might well have happened. Que cela aurait très bien pu se passer. Puisque nous sommes sur ce sujet, nous y reviendrons peut-être, celui du choix et donc de l'obéissance. On fait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Est-ce que je me trompe en disant que dans le Kampuchea démocratique, si on faisait le choix de ne pas obéir, on avait quelques problèmes qui pouvaient aller jusqu'à la mort? Unquestionably, counsel. Sans aucun doute, maître. Continuons sur cette organisation. Après l'endoctrinement, en même temps, je dirais que l'endoctrinement, vous citez un des canaux de la propagande, le drapeau révolutionnaire. Et je crois que vous avez d'ailleurs rajouté à ces audiences, on devait le lire. C'était une obligation. Et ne pas le lire consistait à s'exposer, à être accusé de trahison. Est-ce bien exact? I have seen instances where failure to revolutionary flag to one's subordinates was characterized a été considéré comme un acte de trahison, effectivement. Vous citez à votre paragraphe 63 ce passage éclairant du drapeau révolutionnaire qui est également à votre note de bas de page 142. Nous devons considérer comme essentiel la tâche de lutter contre l'ennemi intérieur qui est lié à chacune de nos autres tâches. Chaque niveau du parti doit dès lors jouer le rôle consistant à diriger l'armée et le peuple afin de s'attaquer à tous ses ennemis, de les éliminer proprement, éliminer, encore et encore, sans relâche, de sorte que les forces du parti soient pures, que nos forces dirigeantes à tous les niveaux et dans toutes les sphères soient toujours propres. L'accusé a eu l'occasion de dire que le rédacteur du drapeau révolutionnaire était en réalité Pol Pot. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation? Counsel, other sources have also described Pol Pot as being centrally involved with the production of revolutionary flag. Some sources assert that he wrote every word, while I find that a little bit
difficult cela to me credit. Paraît un peu difficile it à is not croire. Difficult to believe mais pas difficile de that croire. He would pay very close attention une très grande to attention this crucial tool for indoctrinating cadres. Essentiel d'endoctrinement des cadres. Oui, oui, dans le montre. Le président intervient. The president, the chamber would like to take an adjournment for 15 minutes before we can resume the questionings to the expert. L'interrogatoire du témoin expert. The court officials, you are now instructed to je demande take the expert to d'accompagner his l'expert à la salle d'attente. Room.